Vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise, la Voix du Peuple Libre. Ici, aujourd'hui, nous rencontrons un grand résistant connu de tous, Monsieur Loufalon Kandi. Monsieur Loufalon Kandi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tony. Monsieur Loufalon Kandi, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup de bouleversements politiques en Afrique, en partant du Mali, le Burkina Faso, le Niger. Aujourd'hui, il y a deux mois de cela, il y a eu un coup d'État au Gabon. Monsieur Loufalon Kandi, vous n'avez pas peur afin qu'il y ait un coup d'État dans votre pays, à vous le Congo-Brazzaville, Monsieur Loufalon Kandi? Peur? Moi, peur? Monsieur Tony, au contraire, je demande que cela se passe très vite au Congo. Le pays est mal dirigé. Le pays est dirigé par une secte familiale criminel de pédophile. Je demande aux officiers du Congo-Brazzaville d'agir, que ce soit un nordiste, que ce soit un sudiste, Teke, Larry, Bebe, Moshi, qui que ce soit, qu'il soit seulement de papa congolais et de mère congolaise, pour prendre le pouvoir, nous serons tous derrière lui. Et nous souhaitons que ce qui s'est passé au Gabon, que ça se passe dans les autres pays limitrophes du Congo. Le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique et d'autres pays. Donc, Monsieur Tony, vous me posez une question qui me fait vraiment plaisir. Donc, ce que vous voulez dire, que vous voulez qu'un général puisse prendre le pouvoir au Congo-Brazzaville? Bien sûr, on attend ça. Qui n'ait pas peur? On dit, les sudistes ou les autres ne seront pas d'accord. Nous serons tous derrière la personne qui va prendre le pouvoir au Congo, monsieur. Donc, n'importe quel militaire. N'importe quel militaire, qu'il soit caporal, sergent, colonel, général, qu'il prenne le pouvoir, qu'il chasse Sassou. Notre problème, c'est le départ de Sassou Nguesso, quelle que soit la personne qui va prendre le pouvoir au Congo. Qu'il soit du nord et du sud. Nous serons derrière, je me répète, nous serons derrière cette personne. Que ça se passe le plus vite possible, parce que le peuple congolais est fatigué. Donc, vous voulez dire qu'il est temps de finir avec Sassou Nguesso? Il est temps d'en finir avec ce criminel. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Tony, que ça se passe le plus vite possible. Merci, Monsieur Loufalon Kandi. Vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Quel est votre mot de la fin, Monsieur Loufalon Kandi? Nous sommes presque à la fin de notre mission. C'est le départ de Sassou Nguesso et sa famille. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Il faut que les choses changent dans notre pays. Merci, Monsieur Loufalon Kandi. Vous êtes sur la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Loufalon Kandi confirme et persiste que la fin de Sassou Nguesso doit être justifiée par un coup d'État. Voilà.